sixième en tout cas, et on va parler de Genk dans un instant. Le club de Bruges, le Standard, qui d'autre pour compléter le top 6 selon vous en cette fin de saison et cette phase classique en tout cas? Alors, le club de Bruges, la Gantoise, le Standard. Oui. Ça j'en suis quasiment certain. L'Antwerp, je pense qu'il est. Et dans les quatre équipes pour deux places, je mets Anderlecht parce que pour moi ils sont pas hors jeu. Je mets Anderlecht, je mets Charleroi, je mets Malines et je mets Zul et je mets Genk. Dans les deux matchs qu'on a perdu dernièrement au championnat, on n'a pas forcément été mauvais. Plus le réalisme qui nous a manqué. Et de l'autre côté, bah, ça a été le cas. Je pense qu'à Gand, c'était 50-50. On aurait pu gagner, on aurait pu faire nul. Au final, on l'a perdu. C'est dommage. Et à Malines, bah, voilà, c'est ce genre de match où tu n'es pas forcément dans un top jour, mais tu te crées quand même des occasions. Après, maintenant, il va falloir que nous, et moi le premier, commencions à mettre les buts, tout simplement. Wesh, Alex, on a vu les résultats de Bruges et on aurait pu recoller là-haut. Malheureusement, on n'a pas été le meilleur Standard aujourd'hui. Maintenant, c'est la trêve, il faut bien se reposer. Et puis après, bah, on va revenir en forme. Quel duo, quoi. Journée ensoleillée. C'est mieux qu'hier, quoi. Sa mère hier. Il y a des enfants, tu vois. Oui, c'est pour. Allez, quatrième, ouais. Tac, tac, hop. Vite, vite, vite. De bonnes sensations, ça fait du bien. Les trois mois ont été assez longs pour moi. Mais voilà, maintenant je suis enfin de retour. Ça fait un bon mois et je suis content. Je commence tout doucement à sortir la tête de l'eau et espérons que ça va continuer. Je peux entendre un mot, mais je suis pas sûr. Quand tu as réagi, je pense bien que tu as entendu quelque chose. Sinon, tu réagis pas. En plus, une langue que je connais pas, tu vois. Je parle français, je speak English. Sinon, elle est espagnole, mais flamand, je parle pas, tu vois. Allez, travaille un peu, vas-y. Travaille un peu. Bah non, tu entends bien. Deuxième match, ouvert. Tiens. Touche la ballon. Bien joué, gros. Deuxième tour commence et je pense que voilà, on recommence à faire peur à certaines équipes et on le sent bien que quand certaines équipes viennent jouer à la maison ou qu'on va chez eux, comme par exemple peut-être le match de samedi, bah, ces équipes vont défendre et à nous trouver les solutions pour déjouer leur mise en place. Voilà, quelque part on sait tous comment ça se passe avec les playoffs, mais voilà, on a envie de perdre le moins de points possible sur la tête. Voilà, je pense qu'on veut juste faire de bons résultats chaque week-end, finir le plus haut possible et puis on verra bien ce qu'il adviendra. Allez, come on, travail, allez, come on. Voilà. Play the tempo, come on, tempo. Allez, allez, bouge, bouge. Sena, c'est parti, come on. Assume ça. Bien joué! Bien joué! C'est qui l'équipe vainqueur? C'est nous! Hé, hey, fiche! Fais la photo! Fais la photo! Fiche! Ah, mais vous n'avez pas gagné! Vous êtes égalité de fois, vous êtes premier, mais vous n'avez pas gagné! Confrontation, on a gagné deux fois. Je fais juste un plan vidéo, je fais la photo après. On a perdu le tournoi à cause de Adi Sangaré. Vous pouvez le filmer là-bas. Jacques, Adi, changer. Non, on lui a déjà dit, t'inquiète.
Tu parles de toi, Obix. Non, c'est bon, j'étais déjà dit. Regardez, tu as mis ton équipe dans la sauce ou quoi? J'ai pas mis mon équipe, on était tous ensemble. Donc. Mais quand on perd, c'est moi, quand on gagne, c'est tout toi, le monde. Là, c'est toi. Ouais, c'est moi, toi. Et puis quoi? Toi et Obix, là, il y a quoi même? Je vais te trouver direct. Ouais. Attends, mais... Tu vas commencer à prendre la balle avec la main. Calme. Il met que les coudes, et toi quand tu t'abaisses et que tu le pousses, après fais-le, arrête de faire des fautes. Arrête, c'est l'agressivité. Non, avec la main. Je te parle d'Obi, frère. Réginald Goreux, mauvais perdant, il est là. En plus, il veut regarder, moi je le laisse. Tu le vois? Tu vois les rastas là? Là-dedans. C'est jamais la faute à Obi. Il donne des coups à tout le monde, c'est jamais sa faute. C'est jamais sa faute. Obi, il a dit, j'étais dans sa poche. Lui, il est trop gros pour que je le mette dans ma poche. Mais la boîte que je lui ai mis pendant l'entraînement, voilà. Après, est en train de la boîte, c'est seulement faire la faute pour. C'est pas une faute. Si, si, tu m'as boité. Il a bien dit la boîte. De faire la faute pour m'arrêter. Qui est premier, qui est deuxième? Non, mais. Qui est dernier? Moi, fair play, tu vois, moi je suis un. Ouais, bah écoute, fair play. Mais Réginald Goreux. Oulare, c'est qui? Oulare, c'est qui? Oulare Miyangé. Tu connais Oulare Miyangé? Ouais. T'as vu le nom derrière? C'est Maxime. Regarde. Polo. Quel polo? Polo. Tu vois, c'est le maillot pour le frérot, tu vois. On a apporté ça au frérot. Hein? C'est toi mon frérot? Ah, je suis pas ton frère. Y'a pas de problème. Mais moi, je vais sortir mon frère. Ouais, mais moi j'ai dit c'est un cadeau pour le frérot. Ah, c'est un cadeau. Calme. T'as dans la chambre? T'as vu dans la chambre aussi? Non. Oh, vidéo, frère. Oh, la famille, ça va ou quoi? On est là ou quoi? Serre. Lui, il vient, il rentre chez lui à la maison, à travail. Ah ouais, mais rien, t'es venu prendre la douche, en fait. Eh, les gars, vous êtes fous. Moi, j'ai eu deux matchs, frère. Toi, t'as 4 jours de congé, gros. On va avoir des problèmes aujourd'hui. Il est paix. Il est paix. Hey. Oh non. C'est lui, il aime bien venir chez les gens toucher. Oui, mais... Moi j'aime pas les gens trop tactiles. À part ma copine, tu vois. T'as dit quoi, Dimitri? Mais c'est ça. Enlève ta main, toi. En plus, t'as même pas mis la crème. Ça, regarde. On fout de la crème. Oui. Ça ne marche pas. Bon appétit. De village quoi, c'est une bonne ambiance familiale, c'est un petit club qui progresse petit à petit mais qui a aussi les pieds sur terre quoi, le président pour ça gère bien les choses. Ce qu'on aime surtout ici, bah, c'est les troisièmes mi-temps. On n'en a pas perdu beaucoup l'année passée. Le standard, on va les prendre pour la nouvelle. C'est beau. Ils sont en forme, ils jouent l'Europa League. Et voilà, on va nous essayer le petit village, le petit poussec de défier le standard, on verra. Pour le reste, moi j'ai pas grand chose à dire, mis à part qu'on a pris 3 points hyper importants. Ok, maintenant on se dirige vers Stoke. Vous avez vu dans la presse que Michel Prodhomme, etc. vont les voir, donc ils sont hyper motivés, ils pensent que c'est pour eux. Mais voilà, donc ce sera important aussi d'aller combattre là-bas. Mais là, en voleur. Il y a le job à faire, de toute manière, il ne faut pas aller là-bas non plus en victime consentante et en allant passer un bon moment, uniquement ça. Je crois qu'il y a une prestation à faire. Ouais, certes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans la carrière d'un joueur, ça greffe une ou deux fois. Donc c'est aujourd'hui, on s'entraîne bien. Demain, on s'entraîne bien. Vendredi, on s'entraîne bien. Et dimanche, on ira comme des chiens. Ça va? On est parti? Ok, voilà.
moi j'ai connu un petit peu ça en tant que joueur, donc j'espère que je vais pouvoir faire profiter aussi de mon expérience, si modeste soit-elle, au groupe, et pouvoir gérer ça mentalement, parce que ça va être ça le challenge, certainement ce sera de gérer ça mentalement. Mais... On a gagné un match, mais de nouveau ça reste important de zapper tout ce qui se passe ici, ok, les trucs qui nous le rappellent, il y a la télé, il y a les tickets, il y a tout ce que vous voulez, en tout cas c'est important de se mettre la tête, de se mettre dans la tête le match de stocker. Standard, encore deux matchs, ok, c'est pas maintenant. Donc mettez-vous, stockez en tête et oubliez ce standard de Liège. Ça va, c'est pas encore maintenant. Jouer contre le standard de Liège, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour vous donner une idée, ici on joue en moyenne devant 100-150 personnes. Alors on va aller à 1500. Le standard de Liège, et je pense que si j'en aurais la possibilité d'avoir encore 500 places de plus, on serait 2000 Rebécois, enfin supporters de vrai qu'aller Rebécois aller vers ce match. Ensemble, c'est parti, même chose. Mais non, j'aurais dit d'une manière un peu objective, on avait 10% de chance de gagner le circuit de Rouge. Je dirais qu'ici on a peut-être que 3%, mais les 3% on va tout faire pour essayer de débattre. On s'est permis d'éliminer le cercle de Bruges, donc voilà, à partir du moment où on l'a fait une fois, pourquoi pas une deuxième fois, même si ce sera un adversaire encore d'un autre calibre. Maintenant les joueurs savent, peut-être pas avant le cercle de Bruges, mais en tout cas maintenant ils savent que c'est possible et il faudra jouer avec ça. J'ai beaucoup de respect pour Michel Prodhomme, je crois que quand j'étais petit, il m'a pratiquement fait passer gardien. J'ai vite compris que c'était pas pour moi, mais en tout cas avec la Coupe du Monde 94, je me suis dit tiens pourquoi pas, j'ai joué en diablotin quelques matchs gardien, mais on m'a vite remis dans le jeu. Mais en tout cas voilà, non, c'est une fierté aussi, ce sera l'opposition, l'Urquin Prodhomme, hein, ça a de la gueule quand même.